Comment viens, je le viens le pousse dans l'eau, vas-y, vas-y, vas-y. Mais non, mais. Mec, je... Et là, il y a le requin en plus. Vas-y, vas-y, on le démonte, on le démonte, on le démonte. Vas-y. Allez, Hacker, tu faisais le fou. Regarde maintenant, c'est qui fait quoi. Kima, je. Vous m'avez jeté à l'eau. Allez, on y va. On lance le premier jeu qui s'appelle Raft. Va falloir communiquer et vous allez voir, c'est assez intuitif et c'est beaucoup moins dur que The Forest, quoi. Ça va être dur quand je vais te pousser à l'eau, mon pote. Il cherche les problèmes, lui. Complètement à côté de la plaque, hein, ce pauvre type. Serrez ton cou, Squeezie. Serrez très fort et après on va détendre. Les gars, j'attends que vous connectiez. Je suis seul sur ma plateforme. C'est bon pour vous? All clear. Donc là, tu vois, il faut envoyer ton crochet sur les matériaux là que tu vois qui passent. Hop, comme ça, on a du bois et après on va pouvoir construire. Les gars, je connais pas le jeu, hein, mais bon. Et tu peux mettre ton crochet et quand un truc passe dessus, ça te rend ton, tu sais, ça s'accroche à ton crochet. Allez les gars, chopez-moi des matériaux parce qu'il va falloir qu'on bouffe et tout, sinon on va vite mourir. Oh, 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 ça commence déjà les ordres là. Mais attends. Mais les gars, je suis le chef du radeau. Vous savez très bien, arrêtez un peu. Là, par exemple, si je veux créer une canne à pêche, il me faut de la corde et des planches. Ce que je n'ai pas actuellement, évidemment. Mais moi, ah, j'ai pas de truc pour attraper. Mais si, tu l'as acheté parce que t'as appuyé sur Q sans faire exprès, on parie combien. Sachez une chose, j'espère de toute ma vie ne jamais me retrouver avec vous dans une situation pareille. Jamais de la vie. Ça y est, ça commence. Vous êtes horrible. Tu fais quoi? Tu pêches? Pousse là toi. Attends, je peux. Y'a un poussin dans l'eau! What? Les gars! Mais je savais pas qu'on pouvait se pousser! Oh, il m'a mis un coup, j'ai perdu mon mais chier, mec, tu t'es mangé un karma dans ta gueule! Vraiment, si vous commencez pas à pêcher avec moi, on va mourir de faim, voilà, sachez-le. Ça va, ça va. Vas-y, je vais dans l'eau, Vas-y, va dans l'eau, vas-y. Laisse-nous tranquille. Tu peux occuper le requin, s'il te plaît? Vas-y, c'est bon, je l'occupe là. Frérot! Pas du tout! Mort! Il m'a lâché un croc! Allez, toi aussi, mort! En fait, venons d'arrêter de se pousser. Vraiment, les gars. Venons, on fait un pacte, on arrête de se pousser. Comment je fais? Ah, il bouffe notre truc! Frappez le requin! L'achat! Y'a un requin qui bouffe notre truc! Qui nous mord le cul, on a perdu un cul! Non, c'est grave! Mais on peut pas! Comment on fait? Je vais me faire un marteau et normalement je vais pouvoir agrandir. Tiens, ramasse! Ok, les gars, c'est bon, regardez! Boum! Ramasse ou je te bute! Nice! Boum! Oh, bien joué, vas-y, grand boum! Ok les gars, let's go! Continuez à me faire v'là les ressources, je m'occupe d'agrandir la base et de construire ce qu'il faut pour subvenir à nos besoins. Et vous avez vu là-bas, regarde, il y a un navire là-bas à bâbord! À la fin, normalement, les gars, si on gère bien, en gros, on pourra mettre une voile sur le radeau et on pourra naviguer. Ah bah, let's go, hein! Ok, j'ai le truc de cuisson, les gars, je le pose là, ici, hop! Ah, mais c'est trop smart ce qu'il fait, l'Oclear! Pourquoi on se prend la tête depuis ta. Ah, oui, y a un requin. Fais gaffe, l'Oclear! Je mange. Briquez aussi l'axe, ok, merci les gars. Fais quelque chose! Oh, il m'a croyé plus! Les gars, je vais vous faire deux gobelets. Il y en a un. Hop là, hop, deux gobelets, hop, il y a un de gobelet pour chacun de vous là. Il faut le remplir, tu le remplis d'eau de mer. Et ensuite vous allez le mettre dans le purificateur que je vais construire maintenant. Je découvre, okay. Les gars, j'essaie d'être entrepreneur et de vous sauver la vie, mais je découvre, ok. C'est bien, en vrai je fais le taf, enfin, nous on farm. Il me faut 4 plastiques les gars, s'il vous plaît. J'ai tout ce que tu veux, 4 plastiques, hop, plastique c'est là. Hop, je ramasse tout, comme ça je ferai genre c'est moi qui ai tout donné. Regarde le là, et ensuite, viens le pousse dans l'eau. Vas-y. Mais non mais, mec, il y a le requin en plus, vas-y, on le démonte, Allez, Hacker, tu faisais le fou. Regarde maintenant, c'est qui fait quoi. C'est qui décide et c'est qui a la mer. Kima, vous m'avez jeté à l'eau. C'est l'Oclear. Putain. Reviens. Mais vous êtes attrape la canne à pêche. Attrape la canne à pêche. J'arrive, je l'ai. C'est bon, t'inquiète, le requin il est là. Mais les gars, il y a un gars, il devait me livrer mon lit à 19h, il est 21h, il m'appelle, il me dit j'ai ton lit. Ah non. Faites chier, putain. C'est l'Oclear, mais l'Oclear, t'es un bâtard. J'en ai ras le cul, je te jure. Il est coincé sur le truc. Il est mort. Il mérite que ça. Mais reste-moi. Ok, c'est bon, je suis en train de purifier de l'eau. Mais démerde-toi, Locke, t'as qu'à être meilleur. Bonne soirée en tout cas. Bonne soirée, Locke, c'était cool d'avoir. Mais n'hésite pas à repasser. J'ai mis de l'eau, les gars, mais il va falloir me la laisser sinon je vais mourir. Non, mais après, tu dis les gars. Ah non, oui, il est de retour, merde. Tiens, ramasse, man. Hey, y'a un pigeon sous notre bouffe. Locke, ta canne à pêche, tiens. J'ai lancé la canne à pêche. Elle est là. Prends-la, voilà, et tu peux pêcher. Nice. T'as, j'aime bien là, ça se construit. Il nous faut une voile, Squeezie. Et tu sais que j'ai vu une vidéo, il nous faut des filets. Et avec les filets, en fait, on peut auto-capturer tout ce que notre radeau touche. Tu te fous de ma gueule. Oh, c'est trop bien, j'avoue. Mais des filets ou je te bute. Je trouve que c'est un peu violent de buter pour si je fais pas de filet. Non, mais à mon avis, c'est un plan. À mon avis, ce dont tu parles, c'est un plan à trouver en fait. Ah, t'as fait un bureau, Locke. Bien, ouais, je sais quoi. Apparemment, ça sert à faire des meilleurs construits. Ok, alors moi, ce que j'aimerais bien, les gars, c'est qu'on puisse motoriser notre bateau là maintenant pour qu'on puisse aller explorer des îles ou des trucs comme ça. Je suis en train de choper autant que je peux. Comment? Mais c'est bugué! Mais c'est fou bugué, les gros, je suis mort! Non, t'es mort. Mais gros, je pouvais pas me déplacer! Non! Il est mort, Squeezie! Il est mort, on a perdu Doig! Je sauve! Je l'ai! Je t'ai, Doig! Respawn pas! Vraiment? Ouais, je t'ai, je l'ai! Ah! Au secours! Moi, je prends un lit, Squeezie! Ok, je fais un lit! Oh, mon pauvre petit Doig! Attends, je fais un lit! Il me faut deux feuilles de palmier et deux feuilles de palmier! Je le fais! Non, je peux le faire! Donne-moi deux feuilles de palmier, juste deux feuilles de palmier! Donne-moi deux feuilles de palmier!
tiens. Continue sans moi, les gars, c'est pas grave. Ça va aller, mon pote, ça va aller. Ça va aller, mon pote, on va te mettre dans le lit. On va te mettre dans notre lit. Tiens, viens. Tiens. C'est bon, je t'ai mis dans le lit. Tu vas te reposer. Ça va, je respecte toi, Dwight. Ça va aller, mon petit. Ça va aller. Oh, je peux pas rester dormir finalement, ça m'a jamais bien. Tu travailles, escroc de merde. Enfin oui. Les gars, j'aimerais qu'on ait une base assez grande et autonome pour qu'on puisse commencer à la motoriser et à explorer. On peut déjà la motoriser là. Tu veux une voile ou pas? Vas-y, fais une voile, vas-y, mets-nous une voile, régale-nous. Allez hop, à la voile. Oh, t'as mis une voile, beau gosse. Attends, on peut l'orienter? Ouais, on peut l'orienter. Mais les gars, pourquoi il y a plus de loot là autour de nous? C'est quoi ce bordel? Moi, je pense qu'on s'est fait ken. Pourtant, j'ai remis la voile dans l'autre sens. Ah, c'est bon, les gars, regardez. C'est bon, ça y est. Ok, let's go. Ratez rien, par contre. Mets des filets, construis des filets. Hein. T'as mis des filets, c'est bon, Locke? Ouais, ça y est, j'en ai deux, mais c'est dur à faire. Oh, trop bien les filets. Ah, t'es le boss. On peut faire un nid d'oiseau maintenant. Il y a le requin sur le radeau. Il est sur le radeau. Ah, oh, je nique. Arrête, il est mort, il est en train de mourir. Arrête! C'est moi! Arrêtez! Je suis pas un requin! Y'a que toi, mec, pour faire une putain de pop de requin, quoi! Tac, les gars, on est bien, on commence à être bien, les gars, hein, mine de rien! Ah ouais, mec, il faut 8 cordes, quoi, pour un putain de filet, quoi! Je suis en train de boire et tout. En fait, ce qui est chiant, je trouve, dans les jeux de survie, c'est de réussir à rester en vie en tout le temps produisant de la bouffe et de l'eau, tout en avançant globalement sur tes objectifs, quoi! Ça serait pas un jeu de survie, en fait! Ouais, mais c'est. Ça va, c'est pas si long, tu prends un petit verre d'eau, une petite boisson. Là, c'est surtout la bouffe en fait, tu sais, faut pêcher, les placer, ça met 10 ans à se cuire. Principe de la survie. Ouais, je crois que je suis juste pas méga fan de base des jeux de survie. J'avoue ce que j'ai dit. Incroyablement scandaleux. Par contre, moi j'ai de quoi faire le nid de poule. Vas-y. Les gars, okay. Je mets le nid d'oiseau, je le mets là. Et quand les mouettes elles viennent, vous approchez pas parce qu'elles prennent peur. Je le mets là, ok? Je l'ai mis au bout, tu sais. Comme ça, les mouettes elles se chient pas dessus. Ça marche. Mouettes sur le nid. Du coup, on laisse faire, c'est ça? Laisse. Oh, regardez-moi comme c'est beau, c'est une belle image. Wow. Petite mouette. Laisse. Elle va pondre la conne. Est-ce qu'elle se passe quoi? Arrête. Pardon. Laisse-la. Pardon. Tu la laisses pondre, on va manger ses petits œufs. Putain, mais poser mon gars la mouette, c'est j'ai jamais vu ça. T'essaies de la pêcher. Ok, ça la dérange pas, elle aime bien. Ouais, bah, tu fais de la compagnie. Elle est bien, vous en faites pas, elle est heureuse. C'est une mouette heureuse, sachez-le les gens. C'est une mouette très heureuse. Déjà la nuit c'est. Putain, ça se trouve, il y a des îles pas loin mais on les voit pas, tu sais. Bah là avec la nuit, ouais, non, on voit que dalle. Oh, elle a fait un bruit. Petite mouette. C'est peut-être le bruit que tu fais quand tu ponds. T'as déjà pondu un œuf? Non, je crois pas. C'est peut-être ce genre de bruit que tu fais, je vais regarder. Vas-y, là, elle est là depuis trop longtemps là, t'as pondu ou pas là? Ah, j'ai une plume. Non, tu... Analyse la plume. C'est tout. Analyse la plume. Mais tu vois, là, il faudrait un autre ce filet ici, là. Il faut du filet si t'as du stuff, hein. Ah, mais mec, c'est tellement chaud à faire, les filets, c'est le plus long et dur, genre. Oh, requin, dernière attaque de requin. Oh, il l'a eu, ce bâtard. Track. Ouais, mais à quel prix chien. À quel prix, mon cher Dwagby? Au prix de sa vie, putain. Ou de la mienne. Les gens, ça a chauffé, ça les a chauffé, le brolala. Je suis dans le mal, où est le radeau? Je vais mourir. Non, j'ai ma stuff. Sauvez-moi. Prends le relais, Squeezie. Mais Squeezie, j'ai parti, gros. Je suis pas du tout avec toi, mon gars. Mais si, derrière. Le radeau, là, y'a quelqu'un sur le radeau. Je suis vraiment loin de toi. Je vais mourir dans 3. Je vais mourir dans 5. Squeezie, stop. Venez me chercher, bougez la voile et tout. Hein. T'es mort ou pas? Oui, je suis en train de couler. J'y vais. Va le chercher. Va le chercher. Attends, déjà, t'as baissé la voile, ouais, ok. J'ai full stuff, s'il vous plaît. Je t'aide, Doc. Je suis lent. Ramène-le au lit, je tanque, ramène-le au lit. Allez, ramène au lit, mon pote. Je vais mourir. Faut que tu me ramènes aussi, 100%. J'ai mal. Pourquoi il continue d'avancer, ce putain de radeau? C'est bon. Mais je vois un mec se faire démonter par le requin, c'est moi? Je vais crever, tu vas faire pareil pour moi, Locke, c'est bon? Ouais, c'est bon, Dwag, il est safe. Bonjour. Ok, j'arrive, tu vas dans le lit, c'est le lit. Regardez-le, il essaie de survivre. Il donne tout pour la survie. Il va m'avoir, les gars, je vous jure, il va m'avoir. Laisse-le tranquille. Bien joué. Quel sauvetage. Ouais, mais il est mort. Je suis mort, du coup. Non. Je vais. Couvre-moi. Ça ne s'arrête jamais. Couvre-moi. Mais pourquoi il continue de marcher, ce putain de... Tourne la voile, voilà. Là, comme ça, parfait. Tais-toi, Dwagby, ou je te tue. Oh, wow, t'as pris un gros, mon pote. Allez, mets-le dans le lit. Sauve-le. Je vais me relever cette fois. On a sauvé Dwag, putain. Oh yes. Par contre, j'ai vraiment plus un PV. On continuera à jouer. Là, on fera un petit live même hors jeudi. Pour faire un petit point, on a agrandi notre radeau. On a de quoi survivre ici avec la nourriture, ici avec l'eau. On a la voile pour s'orienter. Le but prochainement, ça va être de continuer de mettre des filets pour que le radeau devienne un peu autonome, récupère toutes les fournitures sans qu'on ait à passer du temps, nous, à aller les choper. Et ensuite, on ira faire des îles pour obtenir du bois et des nouveaux matériaux et construire les choses qui permettent d'arriver au bout
bout du jeu. Voilà, merci pour ce jeu, c'est fini.